Page noire, décès de l'écrivain et homme politique Henri Lopez. Pascal. Eh bien oui, Henri Lopez laisse aujourd'hui un héritage intellectuel immense et est reconnu comme l'un des plus éminents écrivains francophones d'Afrique, outre déjà ses fonctions de premier ministre qu'il a occupé de 1976 à 1975. De 1900 combien ? 1973 à 1973 à 1975. D'accord. Il a également servi près de deux décennies, justement en tant qu'ambassadeur. Du côté de la France. Du côté de la France. Et il faut aussi retenir, il a occupé un poste de fonctionnaire au sein de l'UNESCO pendant nombreuses années. Et au cours justement de sa vie, Henri Lopez a publié pas mal d'œuvres. Une vingtaine justement d'œuvres. On peut même citer ma grand-mère Bantou et mes ancêtres Goulet, voilà c'est ça, Goulois. Voilà. Goulois qui a été publié en 2023. D'accord. Et en 2006, il a aussi publié Le chercheur d'Afrique, en 2018, il a publié Il est déjà demain. Donc on peut, entre autres, c'est quelques œuvres qu'on peut citer. En tout cas, c'est une énorme perte du côté non seulement politique, mais aussi pour cette littérature d'ailleurs de l'ancienne génération et maintenant. D'accord. En tout cas, que son âme repose en paix. Okay. Voilà. Il n'y a pas de souci, Delphine. Les œuvres le célèbre, le pleurer rire, qui est d'ailleurs inscrit au programme de terminale, au programme de littérature au lycée, ici en Guinée. Et, enfin, moi, je suis quand même attristée parce que c'est, comme on le dit, un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Tout à fait, C'était une sommité quand même dans le monde. C'est son homologue d'ailleurs qui l'a écrit, son homologue malien. Donc. Mais ça fait aussi de nombreuses années qu'il contribue et aujourd'hui, d'accord, c'était la fin. Donc. Moi, j'ai quand même eu l'occasion de le rencontrer du côté du Burkina Faso lors de la Coupe panafricaine de débat en 2019. Oui, une grosse chance, c'est un intellectuel qui était vraiment aguerri. Et Delphine, petit test de littérature, je sais que vous étiez très brillant à l'école. C'était quoi sa célèbre citation sur le colonialisme ? Il avait une célèbre citation. Bon, je ne la retiens pas totalement. D'accord. Pascal, je peux la commencer ou la terminer ? D'accord. Ce qui aurait dû être la solution, c'était de qui ? C'est de chez nous ? Non. Si autrefois nos misères provenaient du blanc, qu'il fallait chasser à tout prix, continuez. Pour que le bonheur revienne. Aujourd'hui, les hommes sont partis, la misère est toujours là. Voilà. Qui donc faut-il chasser ? D'accord. C'est ça, je retourne la dernière phrase. Eh bien, moi, par contre, il y avait une citation que j'aimais beaucoup de ce monsieur. Il disait que nous ne sommes pas plus bordel que les femmes mariées. Et voilà, nous cherchons franchement des hommes pour nous entretenir. D'accord, il n'y a pas de souci. Ça n'engage que toi, je ne sais pas où tu allais piocher. Ben c'est l'une de ces situations. D'accord, voilà. Tu es responsable de ce que tu dis, on verra ça après l'émission. Qui donc faut-il chercher ? D'accord.